J'ai une invitation à nous faire, à vous faire, pour la Journée internationale de la femme ou du droit des femmes. Selon moi, c'est par les femmes que ça va passer, les changements dans le monde auxquels moi je rêve. Les changements dans le monde auxquels je rêve, c'est plus de place pour le cœur, plus de place pour la bienveillance et la vérité, plus de place pour le lien, plus d'importance accordée aux relations puis au bien-être de tout le vivant. Je pense que c'est les femmes qui ont le plus de potentiel d'amener ça dans le monde. Pour que ça arrive, ce que je vois, c'est deux dimensions différentes que j'aimerais voir investies davantage. La première dimension, c'est une dimension personnelle. Je souhaite, moi, contribuer et je souhaite à toutes les femmes de toucher à leur pleine assertivité, à leur capacité d'être dans leur vérité, d'apparaître, de se dire, oser arriver, oser ses préférences, ses opinions, oser ses valeurs, même quand on ne sait pas comment est-ce que ça va être reçu. Et d'avoir le soutien aussi nécessaire pour pouvoir vivre des fois des revers sans arrêter d'oser et d'apparaître et oser exister dans notre vérité. Et je pense que par là, il y a un très grand chemin d'empuissancement et d'amener quelque chose de nouveau, des vents de fraîcheur dans des endroits qui en ont peut-être besoin, dans une certaine mesure. La deuxième dimension, c'est une dimension systémique. On veut définitivement voir les femmes s'émanciper, s'empuissancer. On veut aussi, au niveau structurel, au niveau systémique, se poser des questions. Où est-ce qu'il n'y a pas la place qu'il pourrait y avoir pour la voix des femmes, pour l'influence des femmes, pour leur permettre d'accéder à des postes d'influence, pour leur permettre d'accéder à des postes décisionnels? Ça a été démontré que les organismes, les organisations qui ont des femmes dans les postes décisionnels ou au conseil d'administration ont une meilleure longévité et une meilleure performance à long terme. Les femmes voient au bien, les femmes, naturellement, il y a plus de soins pour la vie. Et j'aimerais ça qu'il y ait une pleine expansion de ce soin pour la vie dans notre monde. Fait que c'est mes invitations personnelles pour cette journée du 8 mars, de fêter la réalité des femmes et de leur influence et de tout ce qu'elles peuvent amener dans le monde. Bonne journée des femmes!